Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, mini tutoriel pour Cinema 4D. Aujourd'hui, on va faire une texture, mais une texture un peu particulière. Une texture d'effets spéciaux. En fait, on va faire une texture d'éclair, permettant de faire des éclairs, enfin, pas vraiment des éclairs, plutôt des arcs électriques qu'on peut utiliser sur un plan. Alors, c'est une petite astuce toute bête dans Cinema 4D qui permet de faire des arcs électriques assez droit, de manière simple, justement, en utilisant les possibilités des textures. Donc, je vais commencer par ajouter un plan, parce que ça s'ajoute sur un plan, généralement. Je n'ai pas besoin de segments, donc je mets juste un, comme ça. Et puis, je vais créer ma texture. Alors, une texture générique, donc un simple double-clic dans la fenêtre de texture suffit. Je vais appeler ça électrique. Voilà, je l'ouvre et on va déjà tout décocher. Voilà, je vais aussi l'appliquer sur le plan. Donc je l'ouvre. Ici, il ne faut pas que ça soit appliqué sur une sphère, ça sera appliqué sur un plan. Donc ici, je vais mettre un plan et je vais mettre ça en assez grand. Voilà, je vais même le mettre dans une fenêtre séparée. Donc, on va commencer. On va commencer d'abord, on a besoin d'une couleur. Donc, je coche couleur. Forcément. Une couleur assez électrique. Donc, on va aller chercher dans les bleus. Bleu électrique. Un bleu comme ça. Voilà. Ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'en fait, ce qu'on a besoin, notre couleur, on a besoin d'un dégradé. On va utiliser un dégradé pour faire justement juste une ligne. Donc ici, texture. Que je me trompe pas, que je me souvienne. Oui. Texture, ici, on va choisir calque. Calque, voilà. Et je clique sur calque. Calque me permet d'ajouter des différentes textures, un peu comme Photoshop, on ajoute plusieurs calques. Et puis, donc ici, je vais ajouter un calque particulier. Je vais prendre un dégradé. Donc, je clique ici sur matière et je choisis dégradé. Ça m'ajoute ici un calque dégradé. Je double-clique sur la petite icône de dégradé ou un simple clic, je crois que ça suffit. Je vérifie. Un simple clic. Et je vais créer mon dégradé. Donc j'ai besoin juste d'une ligne toute droite. Donc je rajoute, comme ça, des clés. Je vais faire une ligne toute droite dans les bleus. Un bleu comme ça. Je rajoute des clés, hein, comme j'ai dit. Donc ça, et ici je veux du noir. C'est important d'avoir du noir sur les deux côtés. Alors, je rappelle, hein, pour ajouter des clés, on a juste à cliquer pour l'ajouter. Pour les retirer, on clique, on reste cliqué et on déplace vers le bas. Voilà. Donc ici, je fais juste une petite ligne comme ça. On va rapprocher ça au mieux. Donc là, j'ai une ligne toute droite. Mais tout droit, c'est pas bon parce que ça ressemble pas à un... Ça ressemble pas à un éclair, à un arc électrique. Donc ici, je vais augmenter la turbulence. Je vais mettre 15 de turbulence. Ah, là, j'ai déjà quelque chose d'un petit peu mieux. C'est ce que je vais utiliser. Je vais changer ici la fréquence. Je vais mettre 30 de fréquence. Parce que, en fait, si je fais ça, c'est animé. Donc là, je décoche animé, voilà. Donc maintenant j'ai un arc, j'ai une simple ligne d'éclair, un arc électrique. C'est pas mal, mais ça suffit pas. Il me faut aussi de la luminescence. Alors je reprends un peu mes notes pour savoir. Oui voilà. Luminescence, je coche luminescence ici. Je vais dans luminescence, je vais changer ça. On va mettre quelque chose qui se rapproche aussi au bleu électrique. Comme ça. Ouais. Ensuite, ici on a tout le fond. On veut pas le fond, on veut juste l'arc électrique. Donc je vais aller cocher ici alpha.
Et on va s'arranger pour reprendre en fait la même chose que pour la couleur, ce qu'on a mis dans la couleur, et on va le mettre dans alpha. Donc ici je vais dans couleur, texture ici je le sélectionne, je fais un clic droit, je fais copier les valeurs, ensuite je vais dans alpha, ici dans texture je sélectionne, je fais clic droit, coller les valeurs, tout paramètres. Ici ça m'a collé les valeurs, tous les paramètres. Et je vais ici décocher image alpha. Voilà. Donc là, j'ai un arc électrique tout bête. J'ai plus le fond. C'est parfait. Ensuite, je vais ajouter de la spécularité. Non, c'est idiot. De la lueur. Je dis n'importe quoi. Je vais ajouter de la lueur. Donc, je reprends mes notes. Voilà. Donc ici on a une lueur beaucoup trop prononcée forcément, donc on va diminuer ça. Ici intensité externe, c'est ce qui permet justement de faire cet élément en trop là. Si je mets 1 par exemple, il disparaît complètement. Alors ici je vais juste mettre 100. Voilà, comme ça on a quand même un petit halo, mais moins. Ici rayon, on va mettre 2. Voilà, c'est pas mal. On a un éclair, je regarde ce que ça donne animé. C'est pas mal. Je retire l'animation. Donc j'ai la couleur, j'ai la luminescence, j'ai mis l'alpha. Et puis normalement c'est bon. Je peux fermer ça, je peux fermer ça. Je l'ai mis sur mon plan, je fais un rendu. Et là on a un arc électrique. Et alors forcément c'est animé, hein. C'est animé. Alors par exemple, si je veux un arc électrique entre deux sphères, bah, il me suffit de faire mes sphères. Alors on va faire des sphères de 50 comme ça. Deux sphères. Voilà. Mon plan avec mon arc dessus, j'ai juste à le mettre à la bonne dimension entre les sphères, dans le bon sens forcément. Et quand je fais le rendu, j'ai un arc électrique entre les deux sphères. Et ça, c'est animé, vu que c'est une texture qui est animée. C'est-à-dire que si on voit bien comment est l'arc électrique. Si j'avance un peu de quelques frames et que je fais un nouveau rendu, on voit que ça a changé. Donc c'est effectivement quelque chose d'animé. Voilà, c'était une petite astuce toute bête. Alors ça, forcément, une fois qu'on a fait ça, qu'on a des contrôles des couleurs et des réglages, hein, pareil, comme toujours, on sélectionne, fichier. Enregistrer les matériaux sous, on indique un nom, et puis comme ça on peut le réutiliser en faisant après charger les matériaux dans toutes les scènes que l'on veut, on peut réutiliser la même texture sur un plan. C'est tout bête à faire, c'est tout simple, ça rend assez bien, ça permet de faire des effets électriques assez propres. Alors on peut encore travailler un peu le dégradé, faire quelque chose d'encore plus fin. On peut aussi utiliser des déformateurs sur le plan si on veut. Si on veut obtenir des formes différentes, voir quelque chose un peu plus arrondi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain mini-tutoriel toujours sur Cinema 4D.